Chaque année, nous faisons de nouvelles promesses pour de nouvelles résolutions, de nouvelles promesses pour de nouvelles vies. Pourtant, 9 résolutions sur 10 ne sont pas tenues. 50% des personnes abandonnent leurs résolutions après un mois. On va tenter de se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Je me présente, je suis Mehdiad Boussaaba, je suis psychologue et coach à Dijon. J'exerce en cabinet la semaine et je suis aussi membre du C2P, cabinet de psychologie de la performance, et j'accompagne l'individu et les groupes dans un aspect thérapeutique et de coaching. L'aspect sur les résolutions, c'est un grand sujet, un vaste domaine. Vous pouvez retrouver des études assez facilement qui datent de 1950, donc on a 70 ans d'histoire scientifique sur le sujet. Et le constat, il est toujours le même, c'est qu'on ne tient pas nos bonnes résolutions, on ne tient pas nos résolutions. 25% arrêtent au bout de 2 semaines, 50% arrêtent au bout d'un mois. Quasi-totalité des cas, 9 résolutions sur 10 ne sont pas tenues. Comment ça se fait? On va essayer de tenter de répondre à ces questions-là sous plusieurs aspects. On va déjà essayer de se poser la question de qu'est-ce que la motivation? C'est un peu un grand mot qu'on entend de plus en plus, et puis on va voir que la motivation, en fait, c'est pas simplement que d'être discipliné, et que je pourrais très bien être discipliné sans être motivé. Énorme bêtise pour rester poli. Il y a quand même un constat qui fait que ça fait des années qu'on se pose la question, des années que c'est le même problème, et donc au final, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas normal de se dire, bon, voilà, je vais me fixer des habitudes? Est-ce que c'est pas presque un aspect social, presque une norme que de ne pas atteindre ses objectifs? Est-ce que c'est pas aussi d'une certaine manière pour pouvoir justifier un inconfort actuel? J'avais fait une vidéo sur le piège du bonheur où le principe c'était que le piège du bonheur c'est de conditionner notre bonheur à l'atteinte de quelque chose. C'est de croire que le bonheur ce serait l'absence d'un vécu émotionnel négatif. Je suis pas anxieux, pas en colère, pas triste, donc je suis heureux. Partant de ce principe là, est-ce que pour justifier un inconfort actuel, un malheur actuel, je ne m'amène pas inconsciemment, indépendamment de ma volonté, à ne pas atteindre un objectif qui pourrait me rendre mieux? La question à 1 milliard. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont légitimes de se poser. En tout cas, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Et donc, il y a 2 grandes questions qu'il va falloir qu'on se pose. C'est comment je prends des bonnes résolutions et comment je les tiens. Donc déjà, comment je les prends? Ça, c'est vraiment un facteur qui est super important parce qu'il y a quand même, et c'est pas anodin, c'est une période de l'année où toute la nation est entraînée dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que tout le monde, qu'il le veuille ou non, presque, a une volonté à mettre en place ces bonnes résolutions. Et donc, ça doit nous poser la question de l'injonction de la société. C'est que le fait de vivre en société, on a un besoin aussi de pouvoir correspondre au rôle qu'on est censé avoir. C'est très ancré en nous, ça. La psychologie sociale l'a vachement étudié. Le pourquoi est un peu plus dur à toucher du doigt. Pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin d'être inclus dans une société que tous ces mécanismes dans notre cerveau se mettent en place? On a notamment tous les travaux de H sur le conformisme. Il y a une étude qui a été marrante, là, qui a été faite récemment. Et on mettait des personnes dans une salle d'attente, et puis à chaque fois qu'il y avait un bip, donc il y avait des complices, et il y avait une seule personne qui était cobaye. Donc en fait, on met toutes les personnes autour, dans la salle d'attente, et puis vous avez une personne qui attend. Et à chaque fois qu'il y a un bip, tout le monde se lève. Sans se parler, sans rien dire, tout le monde se lève. Donc les complices se lèvent, et il reste donc la personne qui reste assise, et qui voit que tout le monde se lève, donc elle se lève également. Donc après, elle se rassoit, comme c'est une salle d'attente, et les personnes partent, et vont voir le faux médecin. Donc au fur et à mesure, il y a de moins en moins de complices et de plus en plus de personnes cobayes. Et qui fait que, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a eu un son, eh ben, il y aura un cobaye qui aura vu cette norme-là et qui l'aura répétée, eh ben, il va intégrer cette nouvelle norme sans la questionner. Et on arrive à un point où à la fin, il n'y a plus de complices, il n'y a que des participants, que des cobayes. Et quand les personnes entendent le son, eh ben, tout le monde se lève et redescend. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'explication de cette norme, mais ils la font. Donc on voit qu'en fait, il y a plein de petits processus comme ça qu'on a dans notre cerveau qui nous amènent à essayer de toujours ne pas être marginal, de ne pas être exclu. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui vont se désigner comme étant « Non, moi je suis marginal, je suis en dehors de la société. » Mais étant donné qu'être marginal, c'est aussi un groupe, bah en fait, vous n'êtes pas exclu du groupe, vous êtes juste dans un autre groupe. Donc bref, c'est marrant, mais voilà. Donc en fait, on va le retrouver sur plein de choses. On va le retrouver sur la mode, à quel point ça, pour quelle raison c'est important la mode en fait. C'est que de nouveau, c'est cette norme sociale qui s'impose. Et donc de la même manière, on peut se dire que la nouvelle année, ces nouvelles résolutions sont un peu aussi une injonction de la société. C'est il faudrait prendre des bonnes résolutions. Vous devez prendre des bonnes résolutions. Parce que ça, c'est comme s'il y avait une injonction à vouloir s'améliorer pour le bien-être de la société. C'est-à-dire que la société imposerait, alors elle ne le fait pas, on ne nous impose pas de prendre des bonnes résolutions, mais le conformisme, les normes sociales nous imposent ça, malgré nous. Donc c'est comme si elle nous imposait ça afin qu'on s'améliore et qu'on corresponde davantage au rôle qu'elle nous donne. Et ça, c'est pas rien. Parce que si je prends de nouvelles résolutions pour correspondre au rôle que la société va me donner, je suis voué à l'échec.
Parce que la motivation, ça marche pas comme ça. C'est que si je veux tenir dans un comportement, il faut que je sois motivé à tenir dans ce comportement-là. En fait, le principe de la motivation, c'est que déjà, c'est un continuum. Un continuum, ça veut dire que c'est pas je suis motivé ou je suis pas motivé. Ça, ce serait vraiment blanc, noir. Bah là, du coup, c'est pas ça. C'est comme si vous aviez noir, blanc, et vous aviez tout le dégradé du noir jusqu'au blanc. Mais en fait, c'est ça la motivation. C'est-à-dire que vous avez d'un côté à motivation en un mot, je sais même plus pourquoi je fais ça, à motivation intrinsèque. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'aime faire ça. Et en fait, on va voir qu'il y a plein de nuances différentes. Donc là, je vous mets un petit schéma sur la vidéo, en fait, avec le continuum de la motivation. Donc, il y a plein d'informations, mais en soi, il est super simple. Donc, en fait, d'un côté, vous avez la motivation nulle, à motivation. C'est, je sais même pas pourquoi je fais ça. Ça me dévalorise, j'ai pas de contrôle, je suis résigné. Vous avez de l'autre côté la motivation intrinsèque. Je fais ça par intérêt, par plaisir, par satisfaction. Et ça, c'est vraiment le fait de faire qui m'importe, en fait. Et en fait, au milieu, c'est là où généralement on est tous, et en particulier pendant la nouvelle année, c'est qu'on va avoir une motivation extrinsèque. Donc intrinsèque, je suis motivé parce que ça m'apporte moins à l'intérieur. Extrinsèque, je suis motivé par la récompense. Vous avez motivation extrinsèque avec la régulation externe. C'est pour faire face à des pressions externes. Voilà, je vais obtenir une récompense, éviter une punition. Je fais ça pour un meilleur salaire. Je fais ça pour pas me faire virer. Ensuite, vous avez la régulation introjectée, donc là pour faire face à des pressions internes, donc pour éviter la culpabilité, la honte. J'essaie de toujours m'habiller selon la mode parce que sinon ce serait la honte. Je mets pas ma casquette de telle façon parce que dans mon groupe là dans lequel j'ai envie d'appartenir, ce serait la honte. Voilà, ce serait pour c'est les pressions internes. Ensuite, là on commence à rentrer dans le processus d'intériorisation, donc c'est quand ça va pas trop mal. Donc là on aurait une régulation identifiée. C'est en gros, je fais l'action parce que il y a du sens, parce que c'est valorisé et que c'est relié à des buts importants. Je me mets à faire du sport pour mon mariage, pour perdre du poids pour mon mariage. Le but est important et ça a du sens pour moi. Je veux être le plus bel homme possible, je veux être la plus belle femme possible pour mon mari, pour mon conjoint, etc. Donc c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est que plus j'avance dans une régulation intrinsèque, plus je me garantis un comportement sur le long terme. C'est-à-dire que vous prenez 1000 personnes, les 1000, elles ont de la régulation intrinsèque, c'est là où vous aurez le meilleur taux de gens qui auront maintenu leur habitude. Vous prenez 1000 personnes, vous les mettez dans de la motivation, en un mot, à motivation, bah vous êtes quasiment certain que la totalité auront abandonné au bout. Ensuite, vous avez la régulation intégrée, donc parce qu'il est en parfaite harmonie avec les valeurs et l'identité de l'individu. C'est-à-dire que là, il va falloir une chose, c'est j'identifie ce qui est important à mes yeux, j'identifie mes valeurs. Pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo, ça prend aussi la format d'un audio, où l'idée, c'est de voir un exercice pour arriver à identifier ses valeurs. Parce que ça, c'est vraiment capital, c'est vraiment la base du travail qu'on va devoir faire. Et enfin, le dernier, c'est je fais par plaisir. Donc, comment je choisis ma bonne résolution, c'est que dans un premier temps, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui est réellement important à mes yeux. Indépendamment de cette période de l'année et de la mode du moment, il faudrait se mettre au véganisme, il faudrait se mettre au crossfit, il faudrait se mettre tout le type de mode qu'il y a dans le milieu entrepreneurial, il faudrait se mettre à faire du deep work, il faudrait se mettre à faire du tracking d'activité. Vous allez avoir tout dans tous les sens. En soi, c'est pas le comportement qui est mauvais, c'est pas la thématique de la résolution. C'est le fait qu'il y ait une tendance générale où tout le monde vous pousse à faire ça et où il faudrait faire ça pour atteindre ça. Bah là, vraiment le nouveau. En fait, si vous voulez, de toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des modes. Pour être heureux, il faut faire ça. Pour être gagner de l'argent, il faut faire ça. Pour avoir une famille épanouie, il faut faire ça. Et à chaque fois, le faut faire ça était différent selon les époques. Et à chaque fois, parce que la technologie évoluait, et puis au bout d'un moment, on revenait à l'ancienne, il y aura toujours quelque chose, et il y aura une vague. Donc, la première question à vous poser, c'est si je dois mettre en place un comportement, je le mets en place parce que pour moi, ça a du sens. Et donc pour ça, la première pierre à poser, c'est je prends un temps pour identifier mes valeurs. Faire ce travail-là sur les valeurs, c'est fondamental, vous verrez, ça vous fait avancer de dingue. Donc c'est vraiment le premier travail qu'on fait. Et moi, dans ma pratique au quotidien, au cabinet, c'est indispensable. Je ne fais pas un accompagnement sans qu'à un moment, que ce soit au début ou un peu plus tard, on fasse ce travail sur l'identification des valeurs. Parce que s'il y a une chose qui doit nous guider, ça doit être ça. Mais rapidement, si vous voulez le principe, c'est l'idée que de se dire « Ok, j'essaie de me baser sur l'anniversaire de mes 80 ans ou à mon enterrement aussi. » Et vous essayez d'imaginer qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui soient présents disent de vous. Moi, j'aimerais bien qu'à mon enterrement, les gens disent « Ah, c'était quelqu'un de droit. C'était quelqu'un de doux. Avec lui, on se sentait bien. C'était quelqu'un d'honnête, il disait. Ou quelqu'un qui tenait ses promesses. Voilà. » Il y aura plein de choses qui vont apparaître. Essayez de vous dire une à trois valeurs maximum. C'est vraiment celles qui sont les plus importantes pour vous. Donc, pour choisir les bonnes résolutions, en fait, la première étape, ça va être d'arriver à identifier ses valeurs. J'aurais certainement fait, au moment où vous verrez cette vidéo-là, une petite vidéo bonus, peut-être de 5-10 minutes, où on pratique cet exercice-là. Et donc, quand vous avez fait cet exercice-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de vous concentrer sur l'émotion que ça vous a apporté, sur comment est-ce que vous vous sentez là maintenant, à quel point vous êtes en accord ou pas avec l'image que vous aimeriez avoir, et s'il y a un décalage, où est la problématique, sur quoi est-ce que vous allez pouvoir travailler. Et le fait que ça soit dérangeant, bouleversant, ça montre que vous avez fait un travail suffisamment profond. Et donc, à partir de là, il va y avoir trois étapes.
La première, c'est de choisir un domaine de vie, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous aimeriez, qui est important à vos yeux et que, dans lequel vous aimeriez vous engager. Ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être les formations, ça peut être la famille, la parentalité, les relations amoureuses, le divertissement, les loisirs, la citoyenneté, la vie spirituelle. Toutes ces grands domaines de vie, lequel serait le plus important à vos yeux? Quelle serait la valeur sous-jacente? Quel est l'objectif à atteindre? Quelles sont les actions à mettre en place? C'est-à-dire que je prends un exemple. Le domaine de vie, pour moi, ce serait le domaine de la famille, ma relation avec mes parents. Voilà. Partons de ce principe-là. Donc, le domaine de vie, c'est la relation avec les parents. Ma valeur, ce serait le fait d'être plus ouvert à eux. Donc, être honnête vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de leur dire quand ça va, de leur dire quand ça va pas, être honnête par rapport à mes émotions. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant. C'est que la valeur, elle va englober tout un tas d'actions. Et le but, c'est pas de se dire, de regrouper plein de personnes et de se dire, ok, l'honnêteté pour tout le monde, c'est ça. C'est pour vous, qu'est-ce que ça représente l'honnêteté et quelles actions découlent de ça. Admettons que je me dise que voilà, le domaine de vie pour moi, c'est la famille, notamment la relation avec mes parents, que ma valeur, c'est le fait d'être honnête avec eux. Et donc, l'objectif, ce serait de leur avouer que quand j'étais petit, leur séparation m'a fait du mal. Prenez l'exemple que vous voulez. Et donc, quelles seraient les actions maintenant? Regardez maintenant la puissance qu'a ne serait-ce que cet objectif-là. C'est que la différence entre j'ai suivi une injection de la société de bah, en ce moment, il faut faire telle chose ou telle chose. Et là, le fait de me dire ce qui est réellement important à mes yeux, pour moi, à mes 80 ans, j'aimerais qu'on puisse dire c'est quelqu'un qui a toujours été honnête. Et que là, je me dise, ma famille, c'est vraiment ce qui est le plus important à mes yeux, que mes parents sont très importants à mes yeux, que être honnête vis-à-vis d'eux, c'est extrêmement important. Et que pour correspondre à ça, pour vivre en accord avec mes valeurs, pour devenir l'idéal que je me fixe, il faut que je mette en place cette action-là, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, on est tout de suite dans un niveau quasi intrinsèque de l'activité. Alors, on n'est pas dans l'intrinsèque parce que l'intrinsèque, on va pouvoir le caractériser une fois qu'on aura fait l'action. Pour l'instant, on est avant. On a le fait de vouloir faire cette chose-là ou de la faire parce qu'elle correspond à nos valeurs, parce qu'elle a du sens. Donc, à partir de là, l'action serait, par exemple, de commencer avec des choses plus simples. Ou en tout cas, avec une chose, quelle serait la première petite étape qu'on pourrait faire? Si je parle d'honnêteté et que je veux leur avouer que leur séparation m'a fait du mal, est-ce que je peux pas déjà commencer par leur dire lorsque ça va pas? On a tous cette habitude sociale que de vouloir répondre par un « ça va » lorsqu'on nous demande si ça va. Est-ce que ça peut pas commencer par dire « bah là, aujourd'hui, je me sens pas spécialement très bien. Il y a rien de grave, simplement que je suis très anxieux avec le travail, ça me prend la tête, la relation avec mon directeur, etc. » Et après, on fait le choix d'en dire plus ou pas, mais on a été honnête. Et donc, est-ce que ça peut pas commencer avec des choses plus simples? C'est « j'ai pas aimé tel repas, j'ai pas aimé tel mot, j'aurais aimé un message plus tôt. » C'est le fait de pouvoir dire ce qu'on pense, d'être transparent. Donc là, vous avez toutes les étapes. C'est domaine de vie, famille, honnêteté vis-à-vis des parents pour la valeur. Pour l'objectif, c'est le fait de pouvoir dire que la séparation m'a fait du mal. Et donc les actions, bah, j'en ai tout un tas. C'est dire quand ça me plaît pas, dire quand ça me plaît, etc. Et donc à ce niveau-là, vous avez maintenant identifié comment prendre une résolution. Et donc si déjà vous l'avez faite avec ce cadre-là, vous avez fait 95% du travail. Maintenant, ça va être comment je la tiens. Ok, j'ai identifié que ça, c'était important à mes yeux et qu'il fallait que je mette en place tel comportement. Bah maintenant, comment est-ce que je fais pour me tenir à ça? Pour faire simple, j'ai essayé de résumer en 8 étapes. Si vous respectez ces 8 étapes-là, à la fois, ça vous permet de prendre une bonne résolution et à la fois, ça vous permet de la tenir. La première étape, ça va être de définir les valeurs pour ensuite voir quel objectif en découle. La deuxième, c'est se fixer 1 à 3 objectifs maximum. Partez du principe où c'est comme si vous aviez un petit réservoir, un capital de maintien d'habitude et que plus vous allez avoir d'habitude, plus ça va se diluer. Si vous avez un 100%, si vous avez 100 actions, bah vous allez avoir 1% d'intention de faire les choses dans chaque habitude. Bonne chance. C'est qu'en soi, je ne vous dis pas que c'est impossible. Évidemment qu'il n'y a rien qui est impossible. C'est-à-dire que si vraiment vous avez une détermination de dingue et que c'est en lien avec vos valeurs, que vous avez toute une histoire, un pourquoi qui est super fort, bien évidemment que c'est possible de tenir ça. Mais si je me base sur vraiment la statistique, je prends 100 personnes et je les mets les 100 avec ça, déjà je ne maîtrise pas le pourquoi. Donc c'est vrai que je ne vais pas pouvoir maîtriser qui va tenir, mais de manière générale, il y en a peu qui vont réussir à tenir ça. Donc le conseil que je vous donnerai, c'est 1 à 3 objectifs maximum. Partez du principe où ce réservoir, je préfère avoir 33-34% dans mes habitudes plutôt que 1% dans 100 habitudes différentes. Le troisième point, c'est d'établir un objectif de la bonne manière. C'est-à-dire que se fixer un objectif, c'est pas anodin. C'est pas, j'ai juste à me dire que je vais faire ça. Non, il y a toute une science derrière les objectifs et surtout derrière la manière qu'on a d'établir un objectif. Donc j'ai fait une vidéo qui doit être là ou là, comment se fixer un objectif, et pour ça j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode SMART. Mais je vous propose d'aller voir directement la vidéo pour voir plus précisément de quoi il s'agit. Mais simplement retenez qu'il y a 5 points, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. C'est-à-dire que ces 5 données-là, ces 5 caractéristiques de l'objectif vont être importantes à respecter pour optimiser l'objectif, qui en soi, un objectif,
est un levier motivationnel. C'est-à-dire que presque que son intérêt ne se trouve pas dans le fait d'atteindre quelque chose, il se trouve presque plus dans le fait de se mettre en mouvement. Et il y a une phrase qu'on pourrait utiliser pour cibler ça, c'est un peu la phrase que pourraient prendre nos parents sur Facebook avec un petit montage avec des chats qui regardent la lune, mais c'est un peu « si je vise la lune, au pire, je serai dans les étoiles ». Bah, c'est un peu ce même principe-là. J'ai visé quelque chose de très grand et au pire, je serai dans les étoiles. Parce que cet objectif-là aurait été un levier motivationnel, m'aura amené à agir beaucoup plus que si je m'en étais pas fixé. Quatrième étape, c'est se projeter mentalement dans la réussite. C'est le fait d'avoir une capacité à se projeter dans « je réussis cette chose-là ». Admettons que je me fixe l'objectif que de me mettre au sport, et ben je me vois un an plus tard avec le corps que je vise, avec le sentiment que j'ai d'avoir cette vie que je contrôle, avec cette fierté que j'ai à avoir tenu cette habitude. Je me projette dans cette réussite-là. Déjà, ça va faire du bien, parce qu'on va se dire que c'est possible, et la visualisation est un outil extrêmement et incroyablement efficace. Ça fera certainement aussi l'objet d'un autre sujet. Mais se projeter mentalement et se voir réussir va créer un chemin neuronal qui va favoriser l'accès à cette réussite-là. Le deuxième point, c'est que dans cette projection à la réussite, ce qu'il faut aussi projeter, c'est le cheminement pour atteindre ça. Et le fait de partir de la réussite et de revenir en arrière jusqu'au moment où on a réussi, c'est un peu comme, les plus anciens auront la référence, et à l'époque, on regardait encore les boîtes de céréales derrière. On avait toujours des tas de petits jeux, puis on avait des labyrinthes où, il y avait 5 entrées différentes, et puis il y en avait évidemment qu'un qui était bon. Et si on voulait tricher, on partait de l'arrivée, et puis on retraçait jusqu'à trouver le chemin. C'est le chemin numéro 4. C'est un peu de la même manière. On se projette mentalement dans la réussite et là, on va voir quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer pour atteindre ça, comme un rétro-planning. Et en plus des étapes que je vais voir, je peux aussi me projeter sur les obstacles qui pourraient apparaître. Je me fixe l'objectif de faire du sport tous les jours de l'année pendant un an. Il y a des fois, je vais avoir la flemme. Il y a des fois, j'aurai pas le temps. Il y a des fois, je serai blessé. Il y a des fois, je serai malade. Tout ça, ce sont des obstacles. Et ensuite, c'est de se dire qu'est-ce que je ferai par rapport à tout ça. Le cinquième, c'est un peu le bonus, c'est-à-dire que on va plutôt l'appeler 4 bis. C'est le fait d'annoncer publiquement. Il y a pas mal d'études qui ont pu montrer qu'on avait une tendance à maintenir un comportement plus souvent lorsqu'on l'avait annoncé publiquement. Je nuance cette affirmation-là parce que pour certaines personnes, ça fait l'effet inverse. Le fait de dire qu'ils vont faire leur donne la même sensation que s'ils venaient de faire, comme s'ils avaient déjà la récompense d'un effort qu'ils n'ont pas encore fait. C'est à modérer et à tester et à voir selon vous comment ça fonctionne. Mais une des méthodes serait effectivement, vous allez voir le plus de gens possible, puis vous dites, moi je me mets au sport et puis vous verrez le 30 juin, je ferai tant de kilomètres en tant de temps. L'étape 6, ça va être aussi une facultative dans le sens où c'est plutôt la réponse à un obstacle. C'est que parfois les objectifs qu'on va se donner sont un peu trop démesurés. Si je me dis à partir de maintenant je vais courir 42 km tous les jours, donc un marathon par jour, ça peut être un peu trop ambitieux. Donc on revient à la méthode SMART où là on aurait par exemple mal fait l'ambitieux réaliste. Effectivement, si on est face à ça, ce qui peut être intéressant c'est de découper les différents objectifs, les différentes résolutions pour être certain de le tenir sur le long terme. Le septième point, c'est de prévoir des récompenses. Ça, les études, elles sont unanimes sur le sujet. Les personnes qui tiennent des habitudes sur le long terme sont celles qui se récompensent. Et là, deux options. La première, c'est de compter sur la satisfaction que l'on a à tenir l'objectif comme étant la récompense et à la constater. Je suis satisfait d'avoir fait ça. Je ne m'autoflagelle pas en me disant « Non, je serai satisfait quand j'aurai fait des un an à courir tous les jours. » Non, je peux être fier de moi. J'ai couru un jour. Avant ça, je ne courais pas du tout. Là, j'ai couru un jour. Je peux constater cette satisfaction que j'ai et l'amplifier, être content, l'exprimer. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est vraiment concrètement, vous vous offrez des choses. Vous vous dites « Ok, si là, j'arrive à tenir 7 jours, je m'offre telle chose. » Ces récompenses-là ne doivent pas devenir ce qui nous motive à faire la chose, parce que là, on basculerait de nouveau sur une motivation extrinsèque, mais plutôt, c'est ça facilite ce comportement, ça l'alimente, ça l'entraîne, ça fait plaisir. C'est un peu comme Noël. Si je me dis que je fais Noël qu'à condition de recevoir des cadeaux, motivation extrinsèque, c'est différent de si je me dis, moi, Noël, c'est dans mes valeurs de la famille. Si je me dis que c'est dans les valeurs de la famille, qu'il y ait des cadeaux ou pas, je m'en moque. Mais s'il y en a, c'est tant mieux. Et ça m'incite à continuer un peu plus Noël. Et enfin, le dernier point, c'est le huitième point, c'est qu'un objectif rigide cassera. Tout ce qui est rigide est voué à casser. Tout ce qui est souple dure dans le temps. Si votre règle est rigide, si l'objectif que vous fixez est rigide, je dois faire du sport tous les jours, quoi qu'il arrive, plus vous allez être strict avec vous-même, plus il y aura de chances que ça casse. Parce que vous prenez quelque chose de dur, vous mettez du poids, au bout d'un moment, ça casse. Vous prenez quelque chose de souple, il va être capable d'absorber l'impact. Plus vous êtes souple,
mieux c'est. Je ne dis pas laxiste et je m'en foutiste et je ne fais plus rien et je fais une séance sur 8 alors que j'avais prévu d'en faire tous les jours. Non, c'est simplement, bah, si je suis malade et que là, je me dis que vraiment c'est compliqué, bah, ok, c'est pas grave. Parce que la problématique qu'on a avec une règle trop rigide, c'est vous prenez l'exemple d'une personne qui veut faire du sport tous les jours, elle tient une semaine et la semaine d'après, pour X ou Y raison, elle ne peut pas faire une séance. Si c'est trop rigide, elle préférera ne rien faire que de faire à moitié. En fait, c'est ça la clé. C'est que à être trop perfectionniste, à avoir des standards trop élevés, vous allez avoir une tendance à vous dire, quitte à ne pas faire le top, je préfère rien faire. Bah, sauf qu'on ne fait rien. Pour paraphraser Fabien Olicard, qui paraphrasait je ne sais plus qui, 1 vaut mieux que 0. Enfin, quoique, peut-être ça se trouve, c'est de lui. Donc 1 vaut mieux que 0. Faire une séance alors qu'on s'était fixé 7, c'est mieux que de ne pas en faire du tout. Donc attention aux règles trop strictes, soyez souple par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez pu bien comprendre les différentes notions sur les bonnes résolutions. Donc on a vraiment abordé deux aspects, à la fois comment prendre des bonnes résolutions et comment s'y maintenir. Évidemment, il y aura des obstacles. Évidemment, malgré le fait que vous ayez fait tout ça, il y aura des choses qui vont rester compliquées à faire. Il y aura certainement des moments plus durs que d'autres, des moments où vous allez douter de ce que vous avez fait, des moments où vous allez vous remettre en question. Ce sera l'objet justement d'une seconde partie où j'aimerais qu'on aborde les obstacles aux résolutions, les obstacles aux objectifs qu'on va se fixer. Parce que effectivement, ça c'est une donnée importante. C'est comment est-ce que je fais quand je fais face à un obstacle. Quand j'ai vraiment l'impression, que j'ai la conviction que je ne peux pas maintenir cette habitude-là. Que j'ai pas les capacités, que j'ai pas le matériel, que j'ai pas ceci, cela. On a tout un tas d'excuses, tout un tas de raisons qui font qu'on ne tient pas. Et plutôt que de s'en servir comme un justificatif de l'inaction, on va s'en servir comme un moyen de rebondir et de consolider cette habitude. On va faire de l'épreuve une force. Et ça sera dans la partie 2. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ces informations-là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de pouvoir tenir ces bonnes résolutions-là. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.